Fini les calculs de points, terminé les classements, oublié les rattrapages. Il n'y a plus que la qualification qui compte. C'est la beauté de cette compétition. Chacune des équipes a eu le temps de faire un premier bilan et d'effectuer éventuellement quelques réglages. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent réellement. Il y a de très beaux stades aux Pays-Bas, c'est sûr, mais aucun ne peut, selon moi, rivaliser avec cette Johan Cruyff Arena, comme on l'appelle désormais. Et on écoute l'hymne national de la Suède. C'est impressionnant, mais ce qui va suivre va l'être tout autant. Tout le monde semble un peu plus impliqué, un peu plus concentré qu'à l'habitude. Vous ne trouvez pas, Darren? Oui, cette compétition semble être très différente maintenant que les choses sérieuses commencent. Désormais, chaque équipe joue sa survie. Donc c'est normal que l'intensité monte d'un cran. Il y a souvent un petit bain d'observation, vous savez, le temps que tout le monde prenne ses marques. Ok, c'est parti. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Peut-être Robert Lewandowski. Il adore le jeu direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier... Il peut frapper. Szczęsny, super barré. Grosicki. Le bon ballon. Bonne interception, il y avait danger. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et il continue de progresser. La passe en retrait vers son défenseur. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Dans la boîte. Et ce sera pour le gardien. Zielinski. Dans la profondeur. Sur la gauche. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Et c'est directement récupéré. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal que vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe. Sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Il cherche son coéquipier. La profondeur vers Ibrahimovic. Il écarte sur l'aile. Oh, le bon ballon! Il y a danger. Il récupère le ballon. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Oh, Lewandowski. Ibrahimovic vers l'arrière. Eh oui, il n'avait pas de solution, là. Zielinski. La Pologne qui essaye de construire. Sébastien Larsson. La Pologne qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Cette possession un peu stérile. Lindelöf à droite. Oui, il y avait bien faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune.
Lindelöf. S'il le trouve, Lewandowski qui choisit le côté gauche. Dans la profondeur, la passe dans l'axe. Pas de bonne inspiration. Oh, que c'est bien joué. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il frappe. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réellement lancé leur campagne. La Suède qui peut avancer, allez. Granqvist. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Ça joue à gauche. Il renverse, c'est bien fait. C'est joué long. Ils obtiennent la touche. Oh, il y a danger. Ça peut être dangereux. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. Il allonge vers l'avant. Il cherche la profondeur. C'est reparti, ils peuvent contrer. Zielinski. Bien, la profondeur. Lewandowski. Et ça finit. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Oh oui, super tir. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Un long ballon vers l'avant. L'interception, bien joué. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Une occasion peut-être pour Ibrahimovic. Il relance côté droit. On essaie d'écarter le jeu. Il y aura donc touche. Lustig. Oh, Lewandowski. Il est passé. Lewandowski. Il avait fait le plus dur pourtant. Superbe course au centre, le tout en gardant le contrôle du ballon. Ce n'était pas le pire tir du monde, mais ça ne suffit pas. En retrait pour repartir proprement. Belle passe lobée sur l'aile. C'est centré. C'est dégagé, loin devant. Donc ça va partir vite. Le jeu repart vers la droite. La passe est précise. Coup franc.
c'est jouer long. Attention, dans la surface, Lewandowski. C'était bien joué, il faudra juste être plus précis après la pause. On a eu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et ils ont été efficaces, nous voici à 2-0. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Granqvist. Lindelöf. Et ils essaient de repartir de derrière. Ibrahimovic. Ça peut faire mal s'il est servi. Sebastian Larsson. Il y va tout seul. Krikoviak. La passe en retrait vers son défenseur. Sebastian Larsson. Et il perd l'équilibre. Zielinski, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Lewandowski. Lustig. Sebastian Larsson. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Dans la profondeur, bien vu. Ils décident d'allonger le jeu. Et ils ne résistent pas au contact. La faute. La Pologne qui effectue un changement. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! C'est un public de connaisseurs. Il salue sa sortie comme il se doit. Lustig. C'est joué dans l'espace. Ça pourrait être dangereux. Non, il est signalé hors jeu. Lustig. Sebastian Larsson. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention. Et la porte s'est refermée. Le tacle glissé. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Il est bien placé. Il s'impose physiquement dans ce duel. La faute. Énorme occasion. Oui, c'est un fort. Oh, le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. L'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Ils ne comptent plus maintenant qu'un but de retard. Ils ont commencé leur comeback. Mais iront-ils jusqu'au bout? Ils récupèrent le ballon. C'était un bon pressing. Lustig. Berg. Krikoviak. La passe dans la profondeur. Bien servi. Piatek.
Christensen. En retrait pour repartir proprement. Granqvist. Depuis qu'ils sont revenus à 2-1, ils semblent de nouveau y croire. En tout cas, ça relance cette fin de match. C'est parfait pour le suspense. C'est joué long. Va-t-il en profiter? Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exactement, oui. Un peu de coaching, c'est bien. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça peut faire mal. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. La Suède qui utilise les forces de son effectif. Sébastien Larsson. Il allonge le jeu. La passe dans l'axe. L'interception au Piatek. C'est reparti maintenant en ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. Oui, ce n'est peut-être pas le but de l'année, mais quelle efficacité! Et voilà, avec deux buts d'avance. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, quel geste! C'est le moment de centrer. Le centre devant. La tête! Et il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Bon, moi, il joue le partout, mais va-t-il réussir à marquer? Bon service dans la profondeur. Il joue sur sa gauche. Ils sont à quelques minutes de l'élimination maintenant. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Sébastien Larsson. Il a trébuché sur cette intervention. Il concède un coup franc. Ce sera une faute. Glick. L'ouverture sur le côté. Ce sera une remise en jeu. Et la touche maintenant. C'est joué long. Sébastien Larsson. Et ils essaient de repartir de derrière. Lindelöf. Ça joue long vers l'avant. On aura droit à 4 minutes de jeu supplémentaires. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Et là, il
clairement faute. Et l'arbitre met la main à la poche. Logique. Sébastien Larsson qui récupère ce ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Berg. C'est joué. La frappe. Et ça rentre. Cette fin de match pourrait devenir hallucinante. Il faut dire qu'en cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Alors, coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Ils sont qualifiés, les voici désormais en quart de finale. C'est magnifique. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Bon, ça s'est joué sur le fil, hein. Ils ont gagné avec la plus petite des marges. Mais ça suffit. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie.